Alors, au cœur de votre enquête, Pascal, évidemment, on l'entend, on le voit, on le sent presque, ce sont ces pétrodollars, ces dollars qui affluent, qui auraient afflué. On parle de, au total, quand on résume tout ce qui aurait été dispersé, donné dans le monde, 500 milliards de Kadhafi. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Votre reportage là aujourd'hui sur les financements de Kadhafi est remarquable, mais vous pourrez faire, Madame Loison, bientôt une autre émission sur les milliards de la Libye. Parce qu'au moment où il y a la guerre, en 2011, la Libye a près de 500 milliards de dollars investis dans le monde. Les experts considèrent qu'il y a à peu près 200-250 milliards aux États-Unis et autant en Europe et dans le reste du monde, Australie, Canada, etc. Ils sont placés soit dans des entreprises, dans des participations d'entreprises, grandes entreprises, vous l'avez très bien montré dans le reportage, soit carrément en espèces ou en lingots d'or dans les banques. Qu'est devenu cet argent? On sait qu'officiellement l'OTAN et les Occidentaux ont restitué entre 11 et 34 milliards de dollars au CNT. Donc les 500 milliards dont on parle, et je ne parle pas des 50 milliards investis à travers le LAP sur le continent africain, mais où est cet argent? Donc les banques et les États qui ont fait la guerre, la France, les États-Unis, la Grande-Bretagne, savent très bien où est cet argent. Donc qu'est devenu cet argent? Pourquoi est-il encore gelé? S'il a été dégelé, où est-il? Voilà. Ben, un exemple à Paris, il y a pas mal d'immeubles qui appartiennent à la Libye et ça représente un capital d'un milliard d'euros. Dans la FNAC? Dans la FNAC. Merci infiniment à tous les deux. Merci Michel Scarbonki d'être venu nous éclairer. Merci Pascal. Merci pour cette enquête de m'avoir reçu. Édifiante. Merci à vous.